Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne aujourd'hui. Donc on se retrouve sur Atelier Liza. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai fait pas mal d'alchimie parce que je voulais faire monter un petit peu mon arbre de compétences. Donc je vais vous montrer un peu ça, j'ai débloqué pas mal de trucs. Alors normalement on peut dézoomer, voilà. Donc j'ai débloqué tout ce qui allait par là, sachant que maintenant ces trucs, je ne peux pas y accéder tant que j'ai pas fait un donjon. Là par contre je peux débloquer ça, mais il faut beaucoup de points. Il me manque ça à débloquer et j'ai débloqué également la faucille qui je pense c'est un outil. Seulement j'ai pas les matériaux qu'il faut et alors c'est assez con parce qu'il me faut du bois et pour le bois logiquement il me faudra probablement la hache de bûcheron. Donc est-ce que je pourrais construire la hache de bûcheron ou est-ce qu'il y a un autre moyen d'obtenir du bois, je ne sais pas. Donc on verra ça après. Et donc il me reste 2-3 trucs à débloquer mais j'ai quand même bien avancé, il me reste qu'un PC. Et franchement, je peux plus rien faire. J'ai dépensé quasiment tous mes matériaux pour faire l'alchimie. C'était un petit peu long, mais je pense que ça valait le coup. Et du coup, je voulais vous montrer le ciel de nuit. Franchement, c'est super beau. Et je trouve cool que les nuages se déplacent sans tourner sur eux-mêmes au fur et à mesure qu'on tourne la caméra. On a une lune qui est magnifique. Donc voilà. Donc du coup, on va aller rendre visite à Patricia. Qui du coup est parti un peu vexé parce que je pense que c'est assez cliché, mais je pense qu'il doit y avoir une petite dragouille, on va dire, avec Tao. C'est quasiment sûr. Donc voilà, on va aller dans sa maison pour voir comment elle va, prendre un petit peu de ses nouvelles, voir si pas tout elle va bien. C'est parti, on n'est plus très loin là. C'est magnifique. J'ai aussi été voir un peu les marchands, ce qu'ils proposaient et tout. Seulement, il faut une monnaie que pour l'instant je n'ai pas. Alors, je pense que c'est en faisant des objets qu'on la gagne d'ailleurs. Je me suis équipé d'objets fondamentaux. Vous pouvez le voir. Bon, lui, pas encore. D'ailleurs, on peut l'équiper. Et j'ai des objets de soins du coup, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, comme ça ils sont tous équipés de soins. Et oh là 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 là, je suis retourné dans la forêt en fait au niveau de l'hôtel. Et en pleine nuit en fait il y a la doyenne des fées. Elle m'a fait du 30 de dégâts, en 2 attaques elle me défonçait. Mais j'ai réussi à prendre la fuite heureusement. パーティーか。こちらの方は?こちらはライザさん。中央区のあの部屋に入った。ああ、あの部屋か。そうか。借り手がついたと聞いたが、君だったのか。はじめまして。ライザリン・シュタートです。ボルカーだ。よろしく。 お父様、一つ確認したいのですが、あの部屋の家賃って今いくらでしたか?あそこは確か今は3500コールだったはずだ。え?3500コール?
1年じゃそんなに止められない。1年などそんなに待ってはいられんな。毎月払ってもらわねば。毎月？ひょっとして1ヶ月で3500コール？そうだが、何か変化ね？ううん、いやちょっとだけね。その高いかななんて。 あの部屋は立地はいいが内装が古くてな、先日値下げしたのだ。値下げして3500。空間棟の空き家全部合わせても月に3500コールなんていかないよね。ライザさんどうしたんですか？これなら私も安いと思いますけど。 なんでもないよ。そうだ、私ちょっと用事を思い出したからこれで。いや、待ちたまえ。ライザさんは錬金術師だそうだな。錬金術師を知ってるんですか？以前錬金術師を名乗る男に仕事を頼んだことがあってな。少々うさんくさい見た目だったが仕事ぶりは見事だった。そういったこともあって、もし君が錬金術師ならば一つ頼みたいことがある。仕事ぶり次第では家賃をなしにしてやってもいい。その仕事って何でしょうか？ 2つあるが、まず君の錬金術の腕を私に証明してもらいたい。つまり何かを作ってこいってことですか？そうだ、爆弾を用意してもらいたい。錬金術ではそういうのが作れるのだろう。Déjà fait。任せてください。私そういうの大得意です。 岩などを粉砕するのに使うから品質が高いものがいい。できるかね？岩ならちょうど良さそうなものがあるな。わかりました。早速作ってきます。揃えられたらここに持ってきてくれ。Et comme il y a une info. Parce qu'après je sais pas si j'en ai fait assez, mais on va voir. Peut-être là que je dois le voir. J'en ai fait quand même quelques-unes, donc attendez, il est où? Bob, t'es passé où là? Oh! Et il est passé où ton papa? Ok, on peut pas aller là. On peut pas aller là. Je ne possède aucun objet pouvant être donné. Alors attendez, là il y a un problème. Pourtant c'est des bombes ça. Et en plus j'en ai de qualité. Bon, Jean-Luc, il va falloir que tu m'expliques pourquoi je peux pas te donner mes bombes. Parce que même si je suis équipé de certaines bombes, ce qui est effectivement le cas, je peux toujours les retirer. Posséder aucun objet ne pouvant être donné. Bon, ça va pas m'aider cette connerie. Guide, formation, statut, objet, équipement, des compétences. Ok. Trois bombes de démolition de qualité supérieure à 30.
Je vais te voir l'arbre de compétences. Que ça, de toute façon, je peux pas. Ça, c'est la maudite. Ok. Transformation recette, d'accord. Zetel, étoffe. Le reste, je pourrais pas l'avoir. Quantité plus une, quantité plus une. Nectar. Ok, on va se rendre directement à la maison. Faites voir, par contre, les bombes que j'ai. 31, 21, 36, 17, 44. J'en ai plus. Alors la question, c'est est-ce que parce que c'est des bombes classiques, il faut des bombes de démolition? Je sais pas, on va aller voir. Il y a moyen que ce soit ça. Ah, regardez. C'était ça le problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah voilà, c'était pas les mêmes bombes. J'en doutais un petit peu. Sateta, kinshits ga takai, dekiru kagiri ii sozai o atsumete. Intéressant. Donc la bombe de démolition, déjà je peux la faire. Et donc heureusement pour moi, j'ai déjà des choses de haute qualité en soi. Allez. Là, je peux en utiliser d'autres au pire. Là, j'ai pas ce qu'il faut. Ma foi, vu la qualité, je pense que ça suffira. Ah bah 3 d'un coup, sérieux? Cool. Bah écoutez, on va en faire quelques-unes de plus. On va prendre celle-là à 36. Ensuite, on va prendre ceci à 29. Oh, il gagne comme moi. Ensuite, on en rajoute une à 33, 31. Oh, il gagne comme moi. Puis une bombe comme ça. Nani ireyokkana.
Ce sera à combien là? 66. On va essayer d'aller faire un peu plus quand même. Attendez. On va prendre qualité, destructeur et critique. Magnifique, je pense que j'en ai suffisamment. Je suis bien d'accord. Ben, j'avais pas fait mon alchimie pour rien au final, parce qu'en synthétisant tout ça, ça m'a servi là pour la suite de l'aventure. Je suis vraiment content du coup, parce que je me dis que j'avais pas perdu mon temps. Là en plus j'ai gagné quasiment 100 points de compétence, donc c'est toujours un plus. Ça me servira un peu plus tard quand j'aurai récolté assez de matériaux pour faire un peu plus quand même d'alchimie. Parce que c'est pas avec 100 PC que je vais pouvoir m'améliorer. Mais j'aime vraiment beaucoup ce système d'arbre de compétences pour l'alchimie, je trouve ça plutôt cool. Bon, c'est vrai que ça aurait été cool aussi d'en avoir un pour les compétences du personnage, mais... Mais bon, c'est vrai que Atelier, c'est avant tout une série d'alchimie et non pas de, de combat, même si les combats peuvent être suffisamment sympas et importants. Enfin, ça m'empêchera pas de m'éclater, clairement. Et nous voilà dans le secteur de l'académie, donc on va rejoindre la chère petite maison de Mademoiselle Patty. Vous avez vu, on traverse les gens. On peut dire qu'elle a pas une petite maison, je vous le dis. Livraison. Alors, je vais pas lui donner les meilleurs que j'ai fait. Ma foi, plus du double de la qualité qu'il demandait. こんな感じでどうでしょうか。これは正直に言わせてもらうと、私はこれほど質の良いものが来るとは思っていなかった。これなら申し分ない。ありがたく受け取らせてもらう。 それにしても、こんなものをどうするんですか？岩を壊すって言ってましたけど。うん。我がアーベルハイム家では領地の開拓を行っている。はあ、領地。だが荒れていたり痩せていたり、人が住めない場所ばかりなのだ。 開拓するにも人手に任せては莫大な金がかかる。そのために爆弾が必要だったのだ。なるほど。それなら確かにこの爆弾なら手っ取り早いかな。うん。しかも期待以上の結果だった。これと同じようなものを市場から入手するのは困難だろうし。もし買えたとしてもかなりの金額になるだろう。とても助かった。 改めて礼を述べさせてもらう。じゃあ仕事の方は。合格だ。文句はない。これならばあの部屋も無条件で貸そう。本当ですか？やった！助かった！あれ？そういえばもう一つ仕事があるって。うん。 もう一つの仕事はこれから継続してやってくれればいい。仕事の内容だが、町で困っている人々を見つけたら積極的に助けること。
ふわっとした内容な気がするけど、そんなことなんですか？そうだ。私は立場上、町の治安を守る必要がある。が、どうしても細かいところまでは目が届かない。そこで手助けが欲しいのだが、冒険者たちは戦いこそ役に立つが、それ以外の物事には弱くてな。だが、錬金術師ならば、どんな冒険者よりも融通が利き、役に立つだろうと考えているのだ。つまり何でもやってことか。そういえば、村でも最初はそんな扱い受けてたっけ。わかりました。困ってる人がいたら、相談に乗ってみますよ。助かる。私からだけでなく、町の人々から上がった細々とした依頼をまとめている場所がある。学園区にあるカフェなのだが、知っているかね？前にタオたちと行ったところかな。多分知ってます。依頼動向は知らないですけど。依頼を集めて張り出している掲示板があるらしい。報酬も出るそうだから、そこも一度覗いてみるといい。とりあえず家賃がタダになったのはいいけど、生活するのにお金かかるしな。ボルカーさんの言う通り、一度カフェに行ってみるか。Allez, c'est parti, direction le café du district pour voir si on peut récupérer... Attendez... Faites-moi voir un truc... Non, c'est pas la bonne touche... Je suis là et je vois qu'il y a plein de passages... Et plein de portes... Voilà, c'est de là où je viens. Je me demande ce qu'il y a là-haut en fait. Ah bah oui, évidemment. La place de l'académie. Ça paraît logique pourtant. Ah, j'ai cru qu'on pouvait monter en haut, mais non. C'est cher le fait que ça zoome quand on court sur elle et du coup ça floute tout le paysage. Si je cours pas ça va, mais dès que je cours c'est affreux. Allez, on va aller voir ces... Putain, je me mélange dans les mots. On va aller voir ces requêtes sur le fameux panneau. Je le vois ici. Alors, voyons voir. Irai no keijiban te kore no koto kana? Raiza janai ka. Nani yatteru nda, konna tokoro de. Ah, boss. Boss koso nani o? Ore ka? Ore wa shigoto o sagashi ni kita dake da. え、ボスも？お前も同じ用事だったってわけか。ちょっとそこで話そうぜ。ライザも俺やタオと同じ洗礼を受けたか。この町、何から何まで高すぎるよ。あの家賃、本当の金額なのかな？もう。俺もこっちに来て、いろいろと痛感したぜ。風剣島は、大して金も流通してないような、ど田舎だったってな。ひょっとしたら、島中の現金かき集めても、この町の家賃1ヶ月分にも届かないんじゃないか？それは大げさだと思いたいけど。村じゃお金じゃなくて物々交換も多かったしね。
っしゃい、ボースくん。こちらは？ライザリンシュタウトです。ライザでいいですよ。私はゼフィーヌ。よろしくね。二人で何の話をしてたの？色っぽい話？違う。お金がないねって話で。あら、ボス君の彼女さんかと思ったからてっきり。色っぽいんじゃなくて湿っぽい話だったのね。こいつ俺と同郷なんだ。ね、金がないって言うからさ。それにしてもまさかボスまで仕事探してるとはね。はあ、先が思いやられるね。お前も金で苦労したくないならやった方がいい。青のやつもよく探してたぞ。もっともあいつの場合はここで家庭教師の仕事を見つけてからうまいことやってるみたいだな。そうそう、パティのね。ボス君は力仕事が多いわよね。金払いがいいからな。ライザならやっぱり錬金術で何か作ったりするのがいいんじゃないか。そうなるかな。できそうな仕事があればだけど。ねえ、その錬金術っていうのは具体的に何が作れるのかしら。一口に何とは言えないけど、大抵のものは作れるんじゃないかな。錬金術を扱うならってボルカーさんがここの掲示板のことを教えてくれたんだ。ボルカーさんが？錬金術のことはわからないけど、ボルカーさんの紹介なら疑う余地はないわ。きっとあなたにもできる仕事はいろいろあると思うから見ていって。これから頼りにしちゃうからお願いね。Sérieux, on doit payer pour certaines requêtes, c'est chaud. Ah cool, ils ont enfin rajouté une section quête. Ce que je me disais, c'est bizarre qu'on n'ait pas de menu quête alors qu'il y a des quêtes dans le jeu. Enfin, je trouve ça chelou, mais c'est bon. En fait, c'est juste qu'on n'avait pas encore débloqué l'onglet menu quête dans le menu principal. Ah, et en plus, on a une réputation. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment génial ça, je trouve. Une carte de... Waouh, la carte du monde! Du coup, on est complètement à gauche dans la capitale. Et à la base, on venait du port. Donc ça veut dire que la longueur qu'on a traversée, c'est vraiment la longueur totale de la map monde. Donc elle n'est pas énorme. En revanche, en fait, c'est que tous les donjons et tout se situent en fait sur les côtés de la map à chaque fois. Ah, génial. Je me doutais que c'était pour ça, mais j'en étais pas certain. C'est génial. Ils ont pensé à tout et du coup, on n'aura pas ce souci d'avoir des allers-retours incessants à faire. C'est excellent. 広くてすぐ迷いそうになるから助かる。さて、俺も人のこと気にしてる余裕はないんでな。お金を手に入れられるなら生きてはいけそうかな。
どんな依頼があるかな。Il faut que je chasse 5 bêtes géantes. Là, c'est 5 golems de pierre, mais on ne sait pas où ils habitent, donc pour l'instant, je ne vais peut-être pas le prendre. Mini Weaver, doyenne des fées. Wow, ça, c'est une quête de haut niveau. J'ai clairement pas le niveau. Facile. Voilà comment terminer des quêtes en 2-2. Pierre érodée. Colonie de champignons. Bon, ça c'est facile. Et ça c'est punibalda. Bah je l'ai aussi. Parfait. Bon, je vais quand même tout accepter, parce que comme ça... Voilà. Bon bah écoutez, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Et du coup, on se retrouve très vite pour la suite de cette aventure. En l'occurrence, on va essayer de continuer des petites requêtes pour gagner un petit peu d'argent. C'est cool, du coup, de savoir maintenant comment gagner de l'argent. Alors par contre, ce que je me demande... c'est comment on gagne la monnaie dorée là-haut. Parce que du coup je sais comment on gagne l'école, mais moi j'aurais bien aimé avoir la monnaie dorée aussi, savoir à quoi ça sert et tout. Et du coup le menu quête est juste là, donc voyons voir à quoi il ressemble. Ok, donc on a les requêtes, tableau, groupe. Donc en groupe par exemple j'ai ces deux choses. Utiliser un objet fondamental au combat. Et créer un objet de la catégorie remède. Donc ça c'est assez facile. Et là, j'ai ces différentes quêtes de tableaux. Sachant qu'il n'y en a pas beaucoup que je peux réussir pour l'instant. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!